Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser quelque chose. Dans cette vidéo, on n'incite en rien à consommer des substances illicites. D'ailleurs, moi, je suis contre ça et je vous conseille vivement de ne pas vous en approcher de près ou de loin de ces trucs-là. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important, vous allez tout comprendre. Yassine! Oui? Je reste avec mes rêves, vite fait, je vais faire un truc, je reviens. Ok. Mais il va où, lui? Toute sa vie, il sort, toute la journée, il sort. Viens, viens, on va voir, c'est bizarre ça. Hey, Inès, tu vas où? Je sors. Mais tu vas où? Tu sors je où? Je filme, je sors. Mais tu vas où? Tu vas je où? Je sors. Oui, mais on sait que tu sors, mais tu vas où? Je vais rester avec Yassine, je reviens. Mais attends, mais tu vas où? Tu vas maman où? Va te tuer, hein. Pourquoi elle me tuer? Je suis grand. Tu vas aller voir une fille? Qu'est-ce que tu. Laisse-moi tranquille, je sors, Yassine. Mais tu vas où? Tu vas où? Dis-nous où tu vas. Je suis pas le plus débile. Mais Rem, tu sais où est-ce qu'il va ou pas? Mais tu vas où? Je reviens. Vous êtes perdu sans moi ou quoi? Et tu peux me passer au moins 5 euros, 2-3 euros pour que je puisse acheter à manger là parce que je sais pas le faire à manger moi. Vas-y, prends dans ma sacoche, mais éviter de manger dehors, c'est pas bon. Maman, ou au pire, tu ramènes. Mais gros, elle était débile. Pourquoi je suis plus débile? C'est toi la débile. Tu ramènes au pire. Va chercher des trucs au magasin ou je sais pas moi. Va prendre dans ma sacoche. Moi, je suis un esclave. Ok. Miriam, tu veux manger quoi? Je sais pas, mon fils. Achète ce que tu veux. Ce que je veux. Inouï. C'est quoi ça? C'est une blague. C'est quoi ça? Younes! C'est quoi ça, espèce de pauvre con, va? Ça, c'est quoi ça? J'ai trouvé ça dans ta sacoche, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça sort d'où? C'est quoi ça? Non mais c'est pas drôle, ça sort d'où? C'est pas drôle. On a trouvé ça dans ta sacoche. Fais voir. C'est quoi? Tiens. C'est quoi ça? C'est pas à moi. Tu sais que t'es dans la merde hein. Mais c'est pas à moi. On a trouvé ça dans ta sacoche mais. Pourquoi tu mens? T'es dans la merde. Tu sais que t'es dans la merde. Je sais pas c'est quoi mais c'est pas à moi. T'es dans la merde, je te le dis, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde. Toi t'es dans les bails comme ça, toi machin. Tiens, c'est pas à toi, elle trouvait dans ta sacoche. Mais c'est quoi ce truc de ouf là? C'est pas à moi Yassine. Mais tu traînes avec qui que tes potes chelous là, que t'as rien à faire des trucs comme ça là. Viens, on va là-haut, maman elle arrive, viens. Ah, c'est pas à moi. Tiens, reprends ton truc, c'est pas à moi. T'as un ouf, toi. T'as pas honte, espèce de sale toxico de merde, hein. C'est pas à moi. Tu fumes. Je fume pas. Espèce de sale clochard, va le plus grand de la famille, t'es censé donner l'exemple. Et toi, tu remets des trucs comme ça à la mais c'est pas à moi, tu l'as trouvé où? Espèce de sale gros clochard de merde, va. C'est très grave. Mais c'est très grave, sale toxicomane, va. C'est pas à moi. Ah là là, j'ai grave les. Un toxicomane dans la famille, frère, la honte. La honte. Mais là, c'est là, moi. Mais attends que tout le monde l'apprend. Toi, tu sais très bien que nos oncles. Mais tu vas rien dire à personne. Nos oncles, ils ont dit, il y en a un qui fume dans la famille, le balai, t'es dans la merde. Et c'est pas moi qui a mis ça dans ma sacoche, c'est bon? Espèce de clochard, va. Hier, je suis même pas sorti. Oh là 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 là. T'as quoi, gesticulé comme ça? T'as fumé déjà ce matin? Non. Mais pourquoi tu gesticules comme ça? Gesticule pas. Espèce de clochard, va. C'est pas moi ton truc là, je te rends fou. T'as quoi à bouger comme ça là? Je bouge pas, tu me rends ouf avec ça là, Yassine. Pousse-toi. Tu m'as dit quoi là? Tu caches rien, pousse-toi. Cache rien. Dégage. Cache rien. Ça le taré va. Oh le taré, c'est quoi ça? C'est pas à moi. Mais t'as un vrai clochard toi. Mais vous êtes des tarés, wesh. Mais c'est pas à moi ça. Oh là là. C'est encore pire que ce que je pensais, tu consommes pas en fait. T'es. Oh là là. Ah, c'est pas à moi! Oh le clochard, mets pas ça dans mon lit, dégage! Mets pas ça dans mon lit, espèce de clochard, va! Oh là 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 là, les toxicomanes! Comment on va faire? Tu crois que je suis con? Comment on va faire? On a un toxicomane dans la famille! Pourtant, c'était le plus grand de la famille! Oh là. Enfin, peut-être c'est Myriam! Mais non! Mais tu sais pas à moi, moi je connais pas ça, c'est quoi ça? Mais là, on va faire des trucs de clochard comme ça? C'est pas à moi, je crois que je suis fou, je vais pas aller à la police! Moi je sors pas moi! Je suis obligé d'appeler maman. Appelle pas maman Yacine. Appelle pas maman, c'est pas à moi. Tu vas lui dire quoi? C'est pas à moi. Okay, c'est très grave. Mais oh le taré, c'est pas à moi. Vous avez mis ça dans mon lit, c'est pas possible. Alors, je sais pas. Jure c'est pas toi maintenant. Mais c'est pas moi. Jure c'est pas toi maintenant. Je vais pas jurer pour rien. Jure c'est pas toi. Jure c'est pas toi. Jure Yacine, c'est pas moi. Putain, j'ai grave l'air. Ce truc de fou là. Younes, tu peux m'expliquer c'est quoi ça? Quoi? Bah ça, tu peux m'expliquer? Je sais pas, c'est rien, c'est une brique de jus, c'est rien, c'est pas grave. Va en bas. Frère, c'est pas fou ça, je suis pas fou. Hey, c'est ta dernière chance avant que j'appelle. Je vais appeler carrément la police, je vais te balancer. Y'a pas de toxicomane à la maison, dis que c'est pas toi. Yassine, si ça serait moi, je te l'aurais dit. Peut-être c'est Omar, il a maigri récemment, peut-être il a fumé. Omar?
Ouais, Omar. Omar, tu mets Omar dans ça. C'est pas moi, là. Regarde cette vidéo. On t'a pris en flagrant délit. Tu ronfles, c'est pas moi, je sais si c'est moi. On t'a pris en flagrant délit. Comment ça, en flagrant délit? Regarde cette vidéo. Regarde. Vous voyez ça, les amis? Ça, là. Ça, c'est de la pâte de date. C'est-à-dire que ça, en gros, c'est des dates. En gros, ça, c'est ça, mais en mode écrasé. Et avec ça, on va faire un de ces prank à Younes. Vous allez péter votre crâne. Regardez, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez compris, là, déjà? Est-ce que vous avez compris ce qu'on allait lui faire ou pas, la famille? Vous voulez encore un autre indice? Regardez. Là, je pense que vous avez compris. Younes, on va le faire croire que c'est un gros trafiquant. C'est parti. Et voilà. On va mettre ça ici. T'en veux? C'est vrai que c'était pas moi. T'en veux? J'ai dit que c'était pas moi, pas le clochard. Comment ça je peux sentir? Je crois que c'est quoi? C'est des dates. Ça n'a pas de dates. T'as pas honte, t'accuses Omar? Mais je sais pas, tu dis c'est dans ma sacoche. Mon petit cousin, je crois que c'est un toxicomane, t'as pas honte. Je dis c'est dans ma sacoche. Et pourquoi t'accuses Omar? Il a quoi à voir avec tout ça? Bah je sais pas, j'ai trouvé une solution. Tu me dis c'est Omar. Le boss des pranks! Je vais sortir, du coup tu peux garder Myriam. Mais en fait tu vas où? Mais pourquoi tu veux savoir où je vais? Mais parce comme ça, pour savoir, tu vas où en vrai? T'es vraiment des fous. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Hey, j'en avais marre donc quand je croisais des abonnés dans la rue, on me disait tout le temps: hey Yacine, Younes, tu t'as fait un prank. Oh là là là, là maintenant j'ai ma vengeance. J'espère que vous allez bien retirer ce prank là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous on vous laisse là. Ciao.